lieutenant commissaire Pomago qui t'a lancé des pierres. Mais ça, c'est surtout à la suite de différentes situations qui étaient arrivées préalablement. Je me dis préalablement, m'a parlé même des mois, parce que avant même que je au Cap, c'était une situation où les policiers ont fait intervention et des individus bandits de toute façon. Tu vois, Roche Souyo, il y a un policier qui est sorti blessé. Donc, la situation était vraiment tendue. Et la situation a persisté. Motif là surtout, d'après l'information que nous gagnons, c'est en question de route. Route Pomago et Boyne qui fait alors que route Pomago et Limbé n'est pas faite. Donc, ça mettait la police tout dans une situation côté que, de temps en temps, il faut qu'il rétablisse l'autre au niveau de Pomago. Quelques jours avant, il y a une situation déjà côté que après le gagnant fait Thibaut Cobogne, donc député a tiré les noms pour que nous soyons capables d'accompagner les matériels pour aménager la route Thibaut Cobogne. Donc, mon Pomago est un peu hostile à réparation ou bien travail qui a fait sur la route Thibaut Cobogne. Alors que la route Pomago, l'imbéant, n'est pas faite. Donc, il y a érigé des barricades, ils ont pris l'initiative, ils ont bloqué la route. Donc la police a voyé renfort pour qu'ils soient capables d'assurer que tout barré passe bien. Et en effet, nous avons assuré la sécurité matérielle et ils ont gagné pour aller avec eux, Thibaut Cowboy. Lendemain, le député a réglé encore pour transporter l'autre matériel. Donc ça, vous comprenez, on s'est demandé une planification. Dans le jour d'y aller, dans demain encore pour aller. Donc quand même, nous avons pris disposition pour nous aller. Et c'est le vice délégué Boynan qui a réussi à monter avec le matériel. Donc, la situation tendue ça était à la base de hostilité qui gagne entre la population et bon, un groupe de monde et la police. Et hier soir, il y a une autre situation. Côté que, il y a un individu qui est armé, qui t'avait agressé l'autre individu, bon, c'est-à-dire deux groupes qui en face, ou bien un individu avec un groupe qui en face. Et puis, à la suite de conflit, ça, y en a un été dans le commissariat là. L'autre groupe là vient attaquer l'un des commissariats là. Donc, c'est de là que l'autre groupe d'individus qui était venu attaquer monsieur dans le commissariat là, c'est eux-mêmes qui voient Roche, ensuite ils mettent du feu dans le commissariat pour Mario.